qui bagaille qui passé et dérive l'air c'est vrai qui bagaille qui arrivé autrefois je que n'a pas bon c'est vrai mais c'est pas eux qui ont bloqué le sang de Dieu c'est vrai même le plan de Dieu va dépasser pour David malgré qu'il est tombé en adultère avec Bathsheba. Le plan de Dieu va effacer pour Samuel, malgré qu'il a coupé tête ou Amalécite. Le plan de Dieu va effacer pour Pierre, qui revient trois fois, en Odyssée. Et puis vous-même, vous savez pourquoi le plan de Dieu va effacer pour moi. Ça, mon Dieu, c'est beau. La base, c'est un peu de temps. Il a fait acheter car la porte là. Il a acheté la presque pas sur le monde. Je dois arriver à me former. Donc, ma maison, qui est-ce qui va bloquer le savoir du ciel? Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je reprends. Votre père missionnaire doit toujours se baser sur cette trois axes. Premièrement, songez ça. C'est passé. Non, passé. J'aime pas la monde, on dit la monde. Deuxièmement, rejetez le superficiel, embrassez l'essentiel. Pas que vous vous perdez du temps de discuter, vous direz à quoi, vous cherchez plutôt, mettez accent sur la règle, arrêtez. Troisièmement, n'ayez pas peur. Petite bon Dieu, vous faites un barrage qui mal, et tel que fait une. Des fois, c'est serré, serré par là, ou pas qu'on est là. Mais tout le monde va être mal, il est fait. Donc, pas qu'il y ait des barrages mal, qu'il y ait des faits, et après, il y a un problème bloqué dans le plan de Dieu. Mais il y a des barrages mal qui fait le plan de Dieu sauter dans la vie. Le plan de Dieu est toujours dans le monde, même si vous avez des barrages mal qui est passé. Autrefois, apprendre à embrasser mission, embrasser les plans de Dieu pour vous, et puis avancer, avancer dans cette confiance, Dieu sera toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est campé tout le monde.